Bienvenue dans ce troisième Vlog Public Domaine. Au programme, focus sur eSports UFC 4, rencontre avec les petits et les grands de la Mocha Team 443, segment surf avec Zachary Hoffman, live painting avec Odea et Artitude, interview de Baptiste Landais, cofondateur de la Mocha Team 443. Bon visionnage. Dans eSports UFC 4, peu importe où et comment vous jouez, vous êtes au centre de chaque combat. Parmi les nouveautés du jeu, un nouveau système de soumission. Ce système remanié vous fera vivre une toute nouvelle expérience en fonction de votre position. Un des deux mini-jeux se déclenchera afin d'offrir une expérience utilisateur simplifiée. De plus, les joueurs peuvent désormais frapper pendant la soumission et profiter de nouvelles transitions pour accélérer la finition ou de puissants slams pour s'en dégager. Découvrez d'autres séquences de gameplay sur notre chaîne YouTube. With high skill to use it to their advantage. An all-new grapple assist control feature offers a new way to operate on the ground. Three simple left stick inputs allow players to trigger attempts to get up, submit, or advance to a more dominant ground and pound position. Legacy controls are of course still available for more technically skilled players. Finally, submission finishes have also been revamped in UFC 4. The cumbersome system of previous titles has been replaced with two new mini-games for choke and joint submissions, making them more accessible and varied throughout the experience. With the ability to strike during submissions, transition to faster finishing positions, or the opportunity to execute a high-impact slam to escape, the BJJ game has never been more fun. Submissions aren't just isolated to the ground. We've also added new takedown counter submissions and standing submission attempts from within the clinch. With RPM technology, intuitive control schemes, and our all-new high-impact moments, EA Sports UFC 4 offers the most authentic, intuitive, and exciting gameplay experience in franchise history, giving you sensational moments that only the sport of MMA can deliver. So step into the octagon and shape your legend. C'est dur à l'omoplate, hein, tu vois. Là, il est fermé du mauvais côté, Islam. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Change de côté. Mets son bras, voilà. Regarde, si là, il se lève avec ses deux bras, vas-y, fort, fort, Jimora, lève-toi. Sors tes deux bras, tu sec. Tu vois comment il est là? Il est fort, regarde. Regarde la manche. Dis. Fort, fort. Voilà, essaye de partir, Timur. Regarde, tu vois, Jamal, la différence. Allez, vas-y, maintenant, finalise. Super. Très, très bien. Yeah, y'all. Y'all knew what's gonna happen one day. Profile. Price One. W Steel. It's the upstarts, y'all. San Diego. Goes down smoothly, y'all. W Steel. When the piece slots in, better build vibes, playing the scribes from my pen. Got them live times 10, just a brother striving to keep the prize in my line of sight, friend. Then it's off to the islands to sip margaritas with the fly Spanish eater. Haze a lot, but a peeking. Got the comp overheating, it's all within reach. Fuck the fame, I want the beach and a beat machine beating to my next power meeting. Jay or Kanye, Uncle Rush or Jimmy I. In a fitted, fresh and kitted, off the cuff and looking fly. That's how it is, it's called the biz. Like that, y'all. Lines make it relax from that star PR illustrating the facts and eyes flipping the wax at bar D with P all roll with the flow SoCal SD. The address is fresh, we stay fly all day. Shouts out to Cerritos SFLA, where the land stays blessed with sand and sun rays. But the best place to stay is where the Padres play. You know that's right here, homie, that's right now. You know those California cats are known to act wild off that 18 huh VIP with no funds, jet black rim, Chris Fowler
501s with the Philippines pen, so you know where I'm from. I make the crowd get tough on dialect design. Game recognize game, man, you must be blind if you frontin' me, muggin', tryna hate on mine. 1904 is a 619, price one profile, now you know the time. All you know is what I'm doing is crucial, but how I put it down just ain't something you're used to. Black boy out of VA, Southern State, man, I gave everything just like back in the day. To see your hands waving while you saying my words, cause you caught my CD and it's what you preferred. Over everything less when you listen to herbs, with overtime on the clock steady working my nerves. Divine intervention or sublime in the mission, either way you want, call it, fam. Regarde Nadir le pêcheur. Nadir, c'est le meilleur pêcheur de Nantes Est. Tu pêches tes poissons comme ça. The right rhymes, I paint the town red with a tight dime. You might find the B posted up with a slight shine. A bright mind for show, intellect is my lifeline. First one out the gate, profile, make no mistake. My style is known to make the ladies' backside shake. So pop off while I sound like it's. Bon, allez, c'est parti. Bah écoute, Baptiste, est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Ouais, carrément. Alors, bah, moi, c'est Baptiste Landais. J'ai 32 ans dans quelques semaines. Je fais du jiu-jitsu depuis l'âge de 19 ans. Ouais. Et voilà, je suis cofondateur de Moka Team 443 avec Yohan Bonnet. D'accord. Voilà, je suis ceinture noire. Depuis combien de temps? Depuis 3 ans, là, au mois de septembre. Ouais. Ça fera 3 ans, le 14 septembre, un truc comme ça. Donc voilà. Et tu l'as obtenu, c'était quoi ton lineage? Tu l'as obtenu via quel... Moi, j'ai un parcours un peu atypique. Hein. J'ai commencé ceinture bleue par Aziz Cherigui.
Ouais. Après, j'étais ceinture violette de Sandro Vieira, parce que j'étais avec la Tchèque Matrio pendant plusieurs années. Donc, j'ai eu la ceinture violette et marron de Sandro Gabriel Vieira, qui est basé à Rio. Et j'ai fini ma ceinture noire par Cicero Costa. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes indépendant? Aujourd'hui, on est indépendant. Voilà, avec Johan, on représente notre académie à l'international. D'accord. Tu peux me refaire là, en version courte l'histoire de Mocha Team, ce que vous aviez créé ensemble, vous êtes séparés et vous avez chacun créé un truc et pas fait. Ouais, alors bah on avait monté à l'époque, on avait un club, il n'y avait qu'un club sur Nantes. Nous on a monté une union tous ensemble, ça s'appelait United Fight Team à l'époque. On était plusieurs enseignants, dont Johan et moi. On s'est séparés pour X raisons plusieurs années, 7 ans plus tard. Et Johan avait monté la team 4-4-3 ici là. Et moi j'étais à côté, j'avais monté la Mocha Team et voilà. Et naturellement, comme on se connaît depuis toujours, et qu'on est dans les mêmes directives et dans les mêmes choses, c'est-à-dire le développement des enfants et tout, on s'est réunis et on a monté la Mocha Team 4-4-3. D'accord. Et donc au finish, c'est un gros club, il y a combien grosso modo d'adhérents chez vous? C'est un gros club, oui, on est 140, 150. Ouais. À peu près, ça, on va dire 50-50, 75 enfants, 75 adultes à peu près, voilà. D'accord. Et l'une des particularités du club, parce que vous avez eu des résultats en compétition, c'est qu'il y a une grosse section enfants. Ouais. Avec Johan, on a monté un projet social il y a 9 ans avec les Daghestanais. Donc, on a eu la chance d'avoir des enfants et ça a ramené beaucoup d'enfants. On était les seuls à proposer ça sur Nantes et voilà, donc du coup, on a très grosse image de développement des enfants et avec Johan, on s'éclate là-dessus et c'est vraiment cool. Quoi. Avec pas mal de résultats aussi parce qu'il y a eu du champion de France. Ouais, on a été vice-champion de France en 2018 et l'année dernière, et pas cette année parce qu'avec le Covid ça a été annulé, mais l'année d'avant on a fini champion de France à VJJB par équipe chez les enfants ados. D'accord. Et vous avez aussi des compétiteurs en adulte, toi tu fais des compètes, toi t'as fait Lisbonne, tu... Ouais, moi je combats plus trop parce que comme maintenant c'est mon travail et que j'enseigne à temps plein, la compétition, enfin voilà, quand je fais un déplacement c'est aussi pour les élèves, donc c'est compliqué, mais j'essaye, j'ai combattu à Lisbonne cette année. Et voilà, sinon j'ai des adultes qui combattent. On n'est pas un gros club de compétiteurs, mais on commence tout doucement, comme on a reconstruit. On est reparti un peu de zéro, donc le temps qu'il y ait dégradé, que les gens se fassent, mais on essaye d'y aller le plus possible. D'accord, puis il faut que ça reste un plaisir aussi, en fait. Tout le monde n'est pas forcément dans le délire. C'est ça. Dans le délire compète. Et en parlant plaisir, j'entendais parler là juste avant de surf. Ouais. Ça surfe un peu, ça kite, ça wake. Enfin, c'est quoi le profil des. Ici, il y a des surfeurs, hein. Il y en a quelques-uns au club. Malgré, il y en a qui disent, ils habitent à Nantes, mais nous, on a la chance d'avoir des vagues à 40 minutes. Ouais. Les plus proches, donc on va souvent surfer. Après, moi, je suis originaire du Pays Basque, d'Anglet exactement. Donc, c'est la ville du surf. Pour moi, c'est la ville de France du surf. Donc, puis j'ai un club là-bas qui est affilié avec nous, qui est tenu par Jean-Marc Petit. Et ils font tous du surf là-bas, donc on part tous, on partage et c'est vraiment une passion commune. En tout cas, moi, c'est ma deuxième passion après le jiu-jitsu. C'est vraiment, j'aurais rêvé faire ça. Si j'avais pas fait du jiu-jitsu, j'aurais rêvé faire ça. Tu as fait black belt en surf? Ouais. Puis je reste surtout à Nantes pour le club, sinon je serais vraiment... Sinon, genre, là-bas. Je serais parti. Et c'est le seul club affilié que vous avez? Non, on a un club à Grenoble, qui est tenu par Clarence Bonneuil. Qui est ceinture noire aussi. Après il y a Saint-Malo et ça c'était les premiers avec moi. C'était vraiment Saint-Malo. C'était le tout premier club qui m'a fait confiance. Dès ma ceinture marron, ils m'ont sollicité pour être référent. Et on est ensemble depuis 6 ans je crois. Qui est tenu. Donc ils sont plusieurs maintenant parce qu'il y avait Saint-Malo et maintenant on a un deuxième qui est à Plénan. En fait ils ont scindé le 2 pour proposer plus de jiu-jitsu dans le secteur là-bas. Donc il y a Thomas qui tient le club sur Plénan et puis il y a Florian, Youyou et Pierre Lemeur qui tiennent sur Saint-Malo. D'accord. Et on a aussi deux clubs affiliés à Nantes en plus d'une autre. Ah ouais, donc ça fait quasiment une petite dizaine de clubs au final. Il y a Younes que tu as vu tourner ici qui est sur un club de Bellevue. C'est un club de judo mais ils sont affiliés jiu-jitsu brésilien avec nous. C'est leur professeur Loïc et ceinture marron de JJB. Et après, il y a le club de Rosé aussi, qui est tenu par Dorian, Nicolas, Hakim et Martial, qui sont aussi... Ah ouais, donc vous avez une bonne capillarité, quoi, il y a... Bah, c'est sûr, si tu veux, c'est pas des affiliations, comme on dit, où tu payes et tout, c'est vraiment des connexions d'amis, du partage, et voilà, c'est surtout ça. C'est pas une affiliation de business, de... Oui, t'es pas affilié parce qu'il y a le chèque, machin. On est affilié pour
on se donne des... Voilà, c'est du donnant-donnant, en fait. Eux, ils nous donnent des choses, nous, on donne des choses. Comme ça, c'est un truc qui est cool et c'est ce qui nous correspond, en tout cas, ici. D'accord. Bon, et là, on a repris l'entraînement depuis peu de temps. Et typiquement, toi, comment t'as vécu ou comment vous avez vécu ici, chez Moka, la période Covid? Bah, ça a été dur. Hein. Moi, je l'ai mal vécu parce que on avait fait un début de saison qui était top. En tout cas, moi, j'avais 6 jeunes qui étaient qualifiés en EWASA championnat de France, qui pouvaient potentiellement rentrer en équipe de France. Il y avait le championnat de France CFJJB. Enfin, il y avait des grosses échéances. On était rendu à 150 au club, je crois, à peu près. Ça continue à arriver, donc ça a été dur. Puis après, bah, de couper comme ça le jus dessus, comme tout le monde. Hein. Moi, ça fait 14 ans que j'en fais tous les jours. Donc, arrêté pendant 4 mois. Ouais, ouais, c'était dur. Puis de passe. Après, c'était le jujitsu, mais aussi c'était le partage avec de voir les gens, les élèves. C'était dur. C'était vraiment dur et un peu d'appréhension à la reprise. Mais bon, là, ça commence à se détendre doucement, même si on entend qu'à droite, à gauche, voilà. On espère que. On essaie, en tout cas, on fait tout pour être dans les meilleures conditions et d'être le plus responsable possible pour pas faire de bêtises. D'accord. En tout cas, pendant le confinement, on est resté à la maison. Et on s'entraîne en visio, comme tout le monde. Sur Flow Grappling. C'est ça. Et pour finir, les gens qui sont sur Nantes et qui aimeraient découvrir ce qu'est le jiu-jitsu brésilien ou vous rejoindre, ils font comment pour vous trouver? Bon, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. D'accord. Donc, voilà, après, il y a les gens qui nous connaissent, parce que comme on avait fait aussi la couverture du JITS avec Yoann, on a eu cette chance-là, on est connus un petit peu. Puis sinon, bah, ils appellent. Et puis sinon, il n'y a pas que nous à Nantes, il y a plein d'autres clubs. Donc, on vient. En tout cas, ceux qui veulent venir sont bienvenus avec grand plaisir. D'accord. Voilà. Bon, bah super. Et ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi surtout. À bientôt. À bientôt.